Matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Puisque, bon, pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous savez que je termine avec vous ma semaine le vendredi. Et nous sommes le vendredi 11 novembre 2022. C'est un jour férié et c'est le jour de l'armistice, n'est-ce pas? Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé repos et ressourcement. Quoique, voilà, il y a la synchronicité quand même. Nous sommes un jour férié, eh bien, on nous demande le repos et ressourcement. Cette carte que j'ai pigée à l'endroit en plus, hein, relaxation et méditation. Alors, eh bien, ce message est qu'il est temps. Il est temps de vous détendre. Voilà, c'est dimanche, nous sommes vendredi, donc ça va être un long week-end. Eh bien, reposez-vous, faites de la méditation, ressourcez-vous, relaxez-vous. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, n'est-ce pas? Mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Vous avez peut-être été dans des problématiques hein, présentement et que vous avez dû... vraiment, ça a été très dur psychologiquement. Et bien là, maintenant, c'est bon. Voilà, on vous dit de souffler. Vous allez trouver du temps pour faire ce lâcher prise. Il est grand temps de faire le lâcher prise sur ce que vous venez de vivre. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix. À la paix et à la sagesse qui vibrent en vous, parce que vous avez une belle sagesse, et ouvrez la paix en faisant ce lâcher prise. Eh bien, cette carte à l'endroit indique que vous devriez disposer de plus de temps pour vous, à des loisirs hein, et avoir davantage eh bien l'occasion de réfléchir paisiblement à ce qui vous préoccupe, à ce que vous vivez. Faites-en une priorité dans votre vie, n'est-ce pas? Et votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide. Mais cela n'est possible que si vous vous détendez et que si vous méditez régulièrement. Méditer, moi je le fais tous les jours, et c'est un bienfait. Voilà le moment idéal pour vous d'intégrer ces 12 activités dans votre quotidien. Ça peut vous prendre 5-10 minutes par jour. Qu'est-ce que c'est de 5-10 minutes par jour? Et ça va être productif, n'est-ce pas? Que d'être toujours dans l'action. Parce que lorsqu'on médite, on ne pense plus à rien. On fait le vide en nous, n'est-ce pas? C'est tellement beau de faire le vide, de ne penser à rien. De méditer, par exemple, avec un ange. Avec votre ange gardien, avec votre ange émotionnel ou avec votre ange intellectuel, ou alors avec un ange qui correspond à la problématique que vous vivez présentement. Voilà, en tous les cas, repos et ressourcement. Et comme affirmation, eh bien, j'inclus la relaxation dans mon quotidien, la paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie.
Quel beau message pour terminer cette semaine et en plus ce message du 11 novembre. Reposez-vous ce week-end, n'est-ce pas? Profitez de ce long week-end. Je termine avec le message de ton âme. Voilà, je vais tirer une carte. Prendre du recul. Ben, regardez un peu. Quelle synchronicité encore. Ici, prendre du recul, ben oui, repos et ressourcement. Prenez du recul, ça veut dire aussi, hein, voilà, prenez du repos. Stop. Stop, respire trois fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Eh bien voilà le message de la carte de message de ton âme. Je vous souhaite une belle journée, un bon 11 novembre. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance. Cliquez sur le petit pouce hein, pour faire connaître ma chaîne, je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et puis voilà, passez un joli week-end dans l'amour, la joie, l'amour inconditionnel, la tolérance, le respect, etc., etc. Et puis nous autres, on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, eh bien, je vous embrasse. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de ceux qui vous entourent. À tout bientôt. Thank you.